Que faire face à la fermeture des milieux et l'assèchement des zones humides? À la réserve naturelle de Noède, des solutions ont été apportées. Mesure qu'un milieu comme celui-ci va se fermer, les espèces animales et végétales qui sont spécifiques aux tourbières vont avoir tendance à régresser, voire à disparaître, pour laisser place à des espèces que l'on peut qualifier de plus banales, parce qu'elles ont une beaucoup plus large amplitude écologique. Concrètement, Maria, quelles actions de restauration étaient entreprises alors sur cette tourbière du plat d'Elgorg? La réserve naturelle de Noède a fait le choix d'intervenir sur ce site en collaboration avec l'ONF, dont l'objectif était vraiment de limiter le développement des pins accrochés sur la tourbière. Et pour cela, ils ont entrepris plusieurs actions, dont la première était d'abattre les arbres qui étaient déjà dans la tourbière, dont les pins qui étaient déjà sur les lieux. Les matières végétales ont été débardées à l'aide de chevaux. Et ensuite, les gros arbres qui étaient autour de la tourbière ont été écorcés. C'est un moyen en fait de les affaiblir et de les faire dépérir sur place. Les résultats de ces actions de restauration et gestion ont été satisfaisants? Oui, très satisfaisant sur le site. D'ailleurs, on peut voir que la progression de la pinède sur la tourbière a été considérablement ralentie.